scène au loin, tu comprends rien, mais là tu comprends là, mieux d'ailleurs. Allez, dernier tour de la soirée, suivez bien, il est très impressionnant. Donc un jeu de cartes, mélanger encore une fois les cartes toutes différentes les unes des autres. On va chercher une carte. Ok, là je la reconnais. Hop, ici en l'occurrence c'est un roi. Ouais, un roi. Ok, on va essayer d'avoir deux rois. Ça c'est encore un peu plus dur. Si je fais ça, hop là, je peux avoir les deux rois rouges. Si on met deux rois rouges en contact, c'est très dangereux parce qu'à ce moment il y a un roi noir qui sort des deux rois. Ça fait piqueur, trèfle et carreau. Si on se coupe piqueur, trèfle et carreau, ça fait les quatre. Alors suivez bien. Regardez bien avec le natel. J'ai le roi de trèfle, le roi de pique, le roi de cœur et le roi de carreau. Ok ? Ça en fait 4 en fait. Je vais demander de suivre les rois rouges. Donc je m'explique, les rois rouges, c'est on a d'abord le roi de cœur, okay, que je pose sous la boîte, et on a juste ici en dessous le roi de carreau, c'est un autre roi rouge, que je pose à cheval sous la boîte. Donc si vous avez bien suivi, ici il me reste quoi en main ? Les deux rois. Noir, parfait, les rois de pique, rois de trèfle. Si je mets le trèfle dans le bas du jeu et le pique ici, là ils sont à peu près où pour vous ? Ils sont bien dans le jeu. Mais si je fais simplement ça, bah là c'est un détournement d'intention, ça va très vite, mais je peux la remonter sur le dessus du jeu. Ça va vite, hein. Alors suivez bien, regardez. Pique et trèfle. Mais parfois, à force de faire ça, on ne sait plus si c'est des piques et trèfles de roi ou de d'as. En fait, si on a deux as noirs ici, ça veut dire que logiquement ici on a deux. Ah oui, deux as rouges. Voilà. Bravo. Applaudissements. Stoppez. Bon, quand même. Ça va manger, vous.